On vous retrouve en direct sur LCI. Encore une fois, vous êtes le bras droit du professeur Raoult qu'on a vu dans ce reportage. Vous en êtes où à Marseille? Est-ce que vous continuez à distribuer cette chloroquine aux patients qui ont les symptômes et vous en avez traité combien? Alors tout d'abord, je ne suis pas le bras droit, je suis un collaborateur de Didier Raoult comme de beaucoup d'autres. Bien sûr qu'à Marseille, suite aux résultats que nous avons eus, les personnes sont traitées avec l'hydroxychloroquine et avec l'azithromycine. Moi, je vous remercie de cette invitation, justement, qui permet de rétablir certains faits, parce qu'on entend beaucoup de choses qui, à mon avis, désarçonnent les téléspectateurs et les Français en général. Alors, l'hydroxychloroquine, on entend que c'est dangereux. Alors, ce qu'il faut bien préciser, comme je l'ai entendu, c'est une molécule qui est utilisée depuis de très nombreuses années, qui a été donnée à des millions de personnes. Et on le donne souvent à des personnes qui sont en parfaite santé, qui voyagent, des personnes qui vont voyager en Afrique. Donc, on donne un médicament à des personnes qui ne sont pas malades. Donc, ça veut, on va dire, montrer les risques de cette molécule qui sont très, très faibles. Notamment, sur les effets secondaires, il y en a peu, je crois, hein. Ben, il y en a très peu, c'est-à-dire que quand on discute avec la plupart des personnes, et même justement il y a 5 minutes avec votre caméraman, quand les personnes voyagent en Afrique, ils ont pris la Nivaquine. Donc les gens ne comprennent pas les effets secondaires qu'on leur raconte comme si c'était une molécule qui était hautement toxique, puisque c'est une molécule qui a été utilisée et qu'on donne à des personnes qui ne sont pas malades, aux voyageurs. Et maintenant, pour le donner à des personnes malades du corona, ça pose des problèmes. Donc il faut à un moment donné se poser des questions. Mmh. Donc nous, on est parti sur la bibliographie en voyant qu'il y avait des études in vitro qui fonctionnaient. Les Chinois ont précisé qu'ils avaient utilisé la chloroquine avec de bons résultats. Donc on a refait l'expérience à Marseille pour le voir. Une différence qu'on peut mettre à notre profit, c'est qu'on a rajouté un antibactérien pour éviter les complications bactériennes en cas d'infection pulmonaire. Mais cet antibiotique n'a pas été choisi de façon anodine, puisqu'il avait des propriétés aussi antivirales, en plus des propriétés antibactériennes. Et l'association des deux, effectivement, est hautement spectaculaire, puisqu'on passe d'un portage nul chez 100% des personnes. Plus de détection du virus. Alors là aussi, ça m'amène à ma deuxième interrogation. J'entends, ah mais ça ne fait que baisser la charge virale. Donc pour les téléspectateurs, je pense qu'ils connaissent très très bien, on va dire, malheureusement, le VIH et le sida, où personne ne guérit du sida. On donne une trithérapie et l'effet de cette trithérapie baisse la charge virale, qui ne devient dans certains cas plus détectable. Et pour conséquence, on n'a pas les complications et on ne transmet pas la maladie. Donc on n'a jamais dit qu'on avait un traitement miraculeux. On dit qu'on a un traitement qui permet de façon spectaculaire de faire baisser en 6 jours la charge virale. Donc un médicament alors, vous nous dites ce soir sur LCI que tous l'administration de la chloroquine que vous avez fait avec cette antibiotique, ça marche. Il y a un taux d'échec de 0. Ça marche très bien, on va dire. On a une baisse spectaculaire, comme vous avez pu le voir dans l'article. Et c'est pour cela, basé là-dessus, que maintenant, toutes les personnes détectées positivement qui ont le corona sont traitées avec l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Et vous en êtes à combien de cas? Parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a donc une étude internationale, Discovery, qui a été lancée. 3200 cas, dont 800 pour la France. Mais vous, vous n'avez pas attendu l'étude. Vous le faites systématiquement. Non, c'est systématique. L'IHU communiquera les résultats au ministère, au gouvernement. Et je pense que dans la semaine, vous allez avoir les résultats de l'étude. Mais à un moment donné, j'entends que nous sommes en temps de guerre, qu'on a un ennemi, ce virus. Mais il faut agir, il faut faire vite. Donc moi, je n'arrive pas à comprendre les tergiversations qu'il y a pour une molécule qui est une des plus connues au monde, avec des effets secondaires, mais vraiment très faibles, puisque, comme je vous le répète, on le donne à des gens en bonne santé, donc ce n'est pas pour les rendre malades, et que maintenant, on a une levée de bouclier. Alors, je suis d'accord, on n'est pas dans les systèmes classiques où on a le temps de mise en conformité des médicaments, mais voilà, on a quelque chose avec peu de danger et avec une efficacité drastique. Mais alors, est-ce que vous comprenez quand même certains spécialistes
pardon, et le ministre de la Santé qui dit oui, oui, ça m'intéresse beaucoup, mais pour l'instant, il n'y a que 24 cas officiels, il n'y a pas eu d'essai placebo en parallèle, et on doit suivre un chemin expérimental précis. Mais on a eu des personnes qui n'ont pas été traitées. Dans notre étude, il y a des témoins, entre guillemets, négatifs qui ne sont pas traités. Donc déjà, ce n'est pas, entre guillemets, les critères les plus drastiques des études cliniques classiques, mais c'est quand même des résultats qui sont scientifiquement valides. Et en gros, la statistique, c'est comme si à un moment donné, vous regardez quelqu'un qui est guillotiné et on regarde s'il est mort et qu'il faudrait recommencer. On passe, on va dire, avec 100%. On n'a pas besoin d'analyse statistique là-dessus. Après, bien sûr qu'il faut continuer, mais justement, plutôt que de rentrer dans des polémiques, il faut continuer à tester avec un médicament qui ne représente pas de risque. Moi, on va dire ce que je veux dire aussi, c'est que le professeur Raoult est une star internationale des maladies infectieuses. Les collègues avec qui je suis sont les meilleurs spécialistes mondiaux sur les maladies infectieuses. Donc, vous, si demain vous devez vous faire soigner, que vous avez les plus grands spécialistes avec des épreuves de titre, les publications les plus prestigieuses qui vous disent utilisez ce médicament qui n'a pas de danger, ça fonctionne, et des gens qui n'ont jamais utilisé ce médicament, qu'est-ce que vous choisiriez? Moi, je peux vous garantir que si j'étais infecté, je prendrais le traitement. Si ma maman serait infectée, je lui demanderais de venir à Marseille pour se faire traiter. Alors, il y a le problème de l'automédication. Il y a le problème de l'automédication. Vous avez vu que des pays comme, par exemple, le Maroc avait raflé, réquisitionné tous les stocks à Casablanca. Il y a Donald Trump qui dit, là aussi, on va y aller. Il n'y en a plus en pharmacie. On n'en trouve plus de la chloroquine, alors que c'est un médicament assez, assez basique. Et ça peut être un poison si on le dose trop fort. Mais comme tout médicament, si vous en prenez trop, vous avez des problèmes. C'est pour ça qu'on ne dit pas aux gens de faire de l'automédication, mais d'être diagnostiqué et en cas de maladie avérée, de prendre le traitement. On n'a jamais dit aux gens de faire de l'automédication. On n'a jamais dit que c'était non plus miraculeux. On dit que ça fait chuter la charge virale et qu'à l'heure actuelle, c'est quand même la meilleure piste que nous avons. Et je ne comprends pas les polémiques avec très peu de risques et peu coûteux. Je ne sais pas ce qu'il faut en plus. Est-ce que ça peut être pris en prévention voilà. Également? Moi, c'est quelque chose qui va être analysé. Je pense que vous aurez des communiqués à ce sujet plus tard. Mais pour l'instant, on va dire, le but, c'est de rendre les gens moins contagieux et de les traiter. C'est ce que fait ce médicament. Enfin, c'est ce qu'on a vu. Et de toute façon, toutes les tergiversations vont s'arrêter puisque c'est très rapide l'effet. Et donc quelques jours, tous les essais que les gens auront lancés à travers le monde, on aura les résultats. Mais pourtant, au ministère de la Santé, on nous dit les résultats, ça va être dans 6 semaines. Vous nous dites, c'est dès cette semaine. Écoutez, moi, je ne sais pas. Je ne suis pas au ministère. Je sais que les gens le testent. Nous, on le teste en continu. On va avoir de nouvelles data qui vont arriver, qui pourront, on va dire, étayer l'indication de ce traitement. Vous savez qu'il y a certains confrères qui ne le disent pas forcément, hein, mais notamment en Île-de-France, qui suivent vos prescriptions, qui le donnent à leurs malades sans attendre aucun feu vert. Et ça, vous leur dites continuer? Oui, exactement, on va dire. C'est, on a les essais sont très prometteurs. Et à un moment donné, il serait dangereux d'attendre pour, on va dire, si on peut soigner les gens. Et comme je le répète, avec très peu de risques si ça rentre dans le cadre médical. Il n'y a vraiment aucun souci. Comme je vous dis, c'est une molécule qu'on a donnée à des millions de personnes pendant de nombreuses années pour des gens en bonne santé qui voyageaient. Donc je ne sais même pas où sont les polémiques derrière. Alors j'entends, on va dire, la molécule est dangereuse, il n'y a pas assez de personnes, mais si vous voulez avoir toutes les garanties et une AMM à la fin, on se donne rendez-vous dans 2 ans et on verra. Ouais. Moi j'ai entendu le gouvernement qui a dit que nous sommes en état de guerre. Quand on est en état de guerre, on fait avec les moyens et pour l'instant c'est une des meilleures pistes qui existent. Éric Chabrière, il y a le professeur Saliou qui est médecin biologie, spécialiste de vaccinologie et des maladies infectieuses qui veut vous poser une question. Pas vous poser une question, mais je comprends tout à fait votre enthousiasme. Hein. Je pense pas qu'il y ait une grosse polémique d'ailleurs. Parce que effectivement, la communauté scientifique s'est dit, tiens, sur 24 sujets, c'est peu, faut le vérifier sur davantage. Maintenant, vous avez davantage de données, alors tant mieux. À Paris, on l'utilise aussi. Et je tiens à dire que les médecins ont le droit de prescrire hors AMM en clinique.
Et donc, ils ont le droit de le faire. Mais ce cas, c'est qu'effectivement, il faut attendre et on aura les résultats que dans 8 semaines, ça c'est bien d'ailleurs. Si c'est... Ben ça, c'est ce que dit le ministère oui, de la Santé. Je sais, mais... Ça serait très bien si on peut inclure tous les sujets. Non, mais vous imaginez, 8 semaines, c'est beaucoup trop long. C'est trop long. Eux disent c'est trop long. Eux disent c'est trop long. Oui, bien sûr, je sais bien. Mais vous non, mais vous imaginez le nombre de morts en 8 semaines ça, oui. Sa non, réaction. Pourquoi ça serait si long? Mais je pourquoi vous ai dit. C'est l'homologation. Faut inclure les sujets, 800. Enfin, il y a plusieurs centres, alors ça peut aller vite. Hein. Et puisqu'on peut l'administrer. Oui. On a tout à y gagner, j'allais dire. Alors là, on rentre dans... c'est difficile, parce que là, on est dans un essai clinique. Oui. Les essais cliniques suivent des procédures absolument strictes pour qu'ils soient validés. Et notre confrère de Marseille sait bien qu'un essai clinique... Il y a des protocoles. C'est un protocole. Non, mais est-ce qu'on en est encore là, quand les gens meurent? Vous vous rappelez du sida et des protocoles compassionnels à l'époque? Absolument. Où on essayait des choses, on les donnait, parce qu'on se disait, on a tout à y gagner. Est-ce qu'on n'en est pas là? Oui. Il faut un essai clinique tel qu'il est en cours là, mais d'un autre côté, rien n'empêche, et d'ailleurs à Marseille, ils continuent leurs études, de prescrire et de suivre et de voir les résultats. Et la réponse d'Éric Chabrière. On a perdu du temps, voilà, c'est qu'à un moment donné, il y a quand même des polémiques, puisque il y a quelque temps, lorsque le professeur Raoult a proposé un traitement à base d'hydroxychloroquine, on va dire, sa proposition a été, on va dire, reçue presque de façon farfelue. Parce qu'il s'était basé sur des études chinoises. Or, force est de constater que ça confirme et qu'il y a une défiance par rapport à cette molécule qui, je le répète, est quand même une molécule qui a été utilisée largement, qui semble bien fonctionner et qu'on ne comprend pas tous ces blocages. Moi, je répète, on va dire qu'on a quand même des spécialistes de niveau mondial. On a la chance d'avoir à Marseille les meilleurs spécialistes du monde en maladies infectieuses. Et force est de constater que j'ai l'impression que leur voix s'éteigne un peu, on va dire, en France. C'est repris aux États-Unis, en Suisse, dans les autres pays. Mais en France, la voix a du mal à percer. On a été, on va dire, financé par le grand emprunt, justement, pour faire un pôle d'excellence en maladies infectieuses. C'est un jury international qui a décidé de faire un pôle de maladies infectieuses à Marseille. Un bastion à la Vauban pour les maladies infectieuses. Et on voit... On est efficace. C'est vrai que mon chef, on va dire, est-ce que c'est l'homme le plus sympathique du monde? Je ne sais pas. En tous les cas, c'est une organisation militaire. Mais dans les états de crise, ça fonctionne. Et en tous les cas, on résout les problèmes. On est efficace en ce moment, aussi bien pour le diagnostic que pour proposer un traitement, plutôt que d'attendre un vaccin qui arrivera après la guerre. Renaud Pila vous pose une question. Oui, non, juste une petite question que je me pose. J'imagine certains téléspectateurs. Pourquoi ces freins, ces réactions au début? Est-ce que c'est par rapport à la molécule, le doute, ou alors c'est plus des rivalités entre grandes villes, grands centres, entre barons de la médecine? Quand on connaît pas, quand on n'est pas dans ce milieu-là, on comprend pas. Comment expliquer ces freins et ces rivalités? Je pense qu'on rentrera dans les polémiques après la crise. Là, ce n'est pas l'heure. Je pense que il faut travailler et trouver les solutions. On a besoin de toutes les forces actuellement pour résoudre les problèmes. Et après, on analysera, on va dire, pourquoi, sur quoi on aura pu gagner du temps. Et j'espère que le bénéfice, on va dire, de cette crise, c'est de trouver des solutions plus optimales dans le futur. Mais je pense que beaucoup de personnes donnent leur opinion sans connaître la molécule, sans jamais l'avoir prescrite. Alors que nous, à Marseille, on va dire, on a 10 ans d'expérience, même beaucoup plus, on va dire, moi personnellement, on va dire, elle est dosée chaque semaine dans mon service depuis 10 ans. Donc plusieurs milliers de patients ont suivi cette molécule. Donc quand on dit quelque chose, on le dit en connaissance de cause. Ce ne sont pas des savants fous à Marseille. Ce sont des stars internationales, je le répète, dans leur discipline. Et souvent beaucoup plus qualifiés que les détracteurs. Donc à un moment donné... Je ne sais pas, je pense que c'est une question de bon sens. Oui, Éric Chabrière, justement, Donald Trump, on l'a vu dans le sujet avant, s'intéresse énormément à vous, on attend beaucoup. Vous avez des contacts avec l'étranger, notamment les anglo-saxons, ils vous appellent, ils cherchent à savoir où vous en êtes? Nous, notre protocole, on le distribue à toutes les personnes qui veulent l'avoir. Les gens, entre guillemets, connaissent la molécule, connaissent, on va dire, ses effets secondaires qui sont très minimes, et se disent, mais s'il y a quelque chose qui fonctionne, autant l'essayer. Peu de risques. En plus, si quand bien même la molécule, on l'utilisait, on a quoi, 16 000 personnes positives en France?
c'est pas, on va dire, on le donne plus aux voyageurs. Enfin, à un moment donné, on est en train d'avoir des angoisses sur des choses que je ne comprends pas. Mmh. Éric Chabrière, il faut votre traitement l'administrer au début de la maladie, c'est-à-dire quand les symptômes sont les premiers, c'est là que c'est le plus efficace, ou bien de toute façon, c'est 100% à tous les coups. Moi, je suis pas spécialiste, mais si quelqu'un, par exemple, commence à être entubé, est-ce que vous lui donnez quand même, ou bien c'est trop tard? Bah, j'ai envie de dire que plus tôt on traite, mieux c'est. Si le virus fait des dégâts pulmonaires, faire baisser la charge virale n'aura aucun effet. C'est autre chose. Là, c'est de la réanimation. Ce qui est important, c'est que dès que la personne est testée positivement, si on fait baisser sa charge virale, eh ben, on peut attendre deux effets. C'est un, que la personne soit moins contagieuse, puisqu'il n'y aura plus de virus. Et deux, ce qu'on peut espérer, c'est aussi une guérison plus rapide avec moins de complications. Et c'est ça ce qu'on est en train de regarder petit à petit avec plus de recul. Mais les résultats, entre plus de charge virale au bout de 6 jours, les résultats sont spectaculaires. Après, j'entends traitement miracle, mais on va dire le professeur Raoult ne s'est jamais placé en messie, il n'a jamais parlé de miracle. Il dit qu'il a un traitement qui fait baisser la charge virale. Moi, je fais le lien avec les trithérapies pour le VIH qui ont montré leur efficacité. Évidemment. Donc vous nous dites ce soir, quelqu'un qui arrive chez nous à Marseille, on lui donne cette chloroquine avec un antibiotique et ça marche à 100%. Et cette semaine, vous allez diffuser de nouveaux résultats. Voilà, on va dire, après je laisse le professeur Raoult, on va dire, communiquer dessus. Mais de toute façon, tous les résultats que nous aurons, positifs ou négatifs, seront envoyés dans un premier temps au gouvernement. Puis ensuite, on fera un communiqué de presse. De toute façon, toute personne peut suivre sur notre site, IHU Méditerranée Infection. Vous verrez toutes les vidéos, la chronologie, à quel moment on a dit. Derrière, on a assumé notre devoir de communication et de proposer des solutions à une crise. Sanofi envisage de produire 300 000 doses, je crois, et de façon gratuite, mais attend le feu vert du gouvernement. Vous, ça vous étonne, ça? Il faut le faire tout de suite? On va dire là-dessus, je ne vais pas, on va dire, me mêler de politique. On a un traitement, autant, on va dire, le donner aux gens qui sont, en tout cas, c'est ce qu'on fait à Marseille. Donc moi, ce que je peux que vous conseiller, c'est d'imiter ce qu'on fait à Marseille. Et comme je vous dis, nous ne sommes pas des savants fous. Il y a parmi mes collègues les plus éminents spécialistes des maladies infectieuses. Le professeur Raoult, qui est vraiment une sommité internationale rare. J'ai envie de dire, regardez la personne qui est la plus compétente dans ce domaine, qui connaît le mieux la chloroquine et à qui il faut faire confiance. Je pense que la réponse est claire. Éric Chabrière, interview exclusive sur LCI, professeur à l'Institut des maladies.